William, tu as fini de prendre ta douche? Ok, oui, mon John. Et à mon habitude, je pensais à toi. Du reste, cet après-midi, oui. Comme souvent, je lisais Yukio Mishima de son nom de famille. Bien sûr, le seul et unique. Le seul et unique. Et ce passage m'a, comment dire. Interpellé. Oui, fortement interpellé parce que, à mon goût, il faisait énormément référence à toi. À moi? Ouais. Laisse-moi te le dire, s'il te plaît. Ah, j'ai hâte, laisse-moi. Alors, écoute-moi ça, maintenant. Voilà. Alors, Yukio écrit: par bonheur, un mouvement réflexe de ma main pour protéger l'image avait empêché que le livre ne fût souillé. Ce fut ma première éjaculation. Éjaculation. Ce fut aussi le début maladroit et nullement prémédité de mes mauvaises habitudes. Entre guillemets. Entre guillemets. Ça a toqué. Ça a frappé. Oui. Alors, ah. Qui est-ce donc? Qui est-ce donc? Oh, hey. Oui. Mais Daniel, c'est... Ça va bien. C'est Daniel et Daniel. Je vous ai apporté un petit cadeau. Oh. Une bouteille d'eau. Du robinet, merci. Là, 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 je vous reconnais votre générosité, là. Merci, ouais. Surtout toi, Daniel, mon ami, à moitié vide, là, je te reconnais. Merci, merci, merci. Le go. Nous dans le salon, profitons. Avec plaisir. Voyez-vous, avec John, avant votre arrivée, nous étions en train de discuter de Mishima, ouais. Enfin, notre auteur préféré, et plus particulièrement de Confession d'un masque, une autobiographie magnifique. Où à un moment il nous fait part de sa première masturbation. Masturbation? Oui. Nous en parlions tout à l'heure justement. Effectivement. Ah, c'est une coïncidence. Sujet que nous apprécions là. Exactement. D'après vous, pourquoi pensez-vous que je porte ce gant cette belle nuit d'été? Mais voyons Daniel, cette histoire me semble intime. Ne serait-ce pas dû par le plus grand des hasards à une digitalosodomie? Eh bien non, figure-toi. C'est dû à une masturbation trop longue. Quelques cloques figurent sur cette main. Mon Daniel, c'est le meilleur. Bon ben, puisque vous êtes là, un petit verre, Daniel ou Daniel? Moi je ne dis pas non. Hein, tu dis pas non? N'en abuse pas, Daniel. Il faut savoir être raisonnable. Tu risquerais de faire un coma hydraulique. Coma hydraulique? Bon, assez d'Yukio Mishima. Il est temps de raconter une histoire. Tu nous parlais de ton gant tout à l'heure. Figure-toi que la dernière fois nous nous sommes fait attaquer par un gant vivant. Gant vivant? Le gant... Mais John devient fou. Non, je t'assure que je ne suis pas fou. Auras-tu abusé de ce breuvage? Non, je t'assure que nous n'avions pas bu une goutte de boisson hydraulique ce soir-là. Nous étions sobres. Comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Moi et William. Comme toujours. Cette histoire de gants est complètement invraisemblable. Ce n'est que toi, Daniel. Mais voyons, tu m'as fait peur. Recommence jamais ça. Daniel? Daniel, si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Daniel. Daniel, votre blague était vraiment de mauvais goût. Je n'ai pas apprécié. Quelle était cette blague dont tu nous parles? Qu'as-tu vu dans cette salle? Mais vous voyez très bien de quoi je parle. Je suis sûre que c'est l'un de vous. Mais qu'as-tu vu dans cette salle de bain? Dis-le nous. Mais ce gant en rouge. Un gant rouge? Serait-ce le retour du gant vivant? Non. Quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce? Serait-ce Daniel? Mais non, nous sommes là. Mais c'est quoi alors? Serait-ce le gant vivant? Son retour? Gant. Je vais aller chercher les œufs. Où sont les œufs? Serait-ce dans le bac à œufs? Mais il ne reste plus qu'un seul œuf. Or, nous sommes quatre. Cela ne sera jamais suffisant. Tant pis pour les autres. Je vais utiliser cet œuf sur ma personne afin d'être immunisé contre le gant. Je suis immunisé. Je suis allé chercher des œufs, mais il n'en restait plus un seul. Pourquoi des œufs? Vous ne le savez pas? Les gants ont peur des œufs. Serait-ce réciproque? Les œufs ont peur des gants, et les gants font peur aux œufs. Tu dis qu'il ne restait plus aucun œuf. Mais qu'est-il arrivé à tes cheveux? Oh, ça c'est simplement une nouvelle coiffure. C'est tout. J'aime bien ta nouvelle coupe. Daniel, où est passé ton gant? Diantre, où est mon gant? Après tant d'émotions, que diriez-vous d'un petit rafraîchissement? Quelle merveilleuse idée, mon Daniel. Soit, je file à la cave à vin. Les gants sont parmi nous. Que voulez-vous? Du vin ou du pinard? C'est fermé!
Alors, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Mais, je ne rêve pas, c'est mon gant. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah! Le gant! Mais fuck toi-même, ouais! Oh mon dieu! Il m'attaque! Ah, oh mon dieu! Diable! Malédiction! Attends! Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Daniel, tu ne t'es quand même pas rajouté quelques claques. Non, pire que ça. Mais quoi donc? Un gant! Il est de retour! Nous nous sommes battus sauvagement. Il s'est enfui. Ton arrière court. Mais qui peut rien nous faire pour nous en sortir? J'ai tellement peur, Daniel. Le gant me fait peur. Je n'ai plus peur. Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec ce gant. Nous allons aller le trouver et l'exterminer. Sais-tu précisément où il est parti? Et je ne sais pas précisément, mais il s'est enfui par la porte de la cave à vin. La porte de la cave à vin, on y va! Allons-y! Quelle est la meilleure manière pour vaincre un gant? Je ne sais pas. Utiliser un gant lui-même, mon fidèle. J'ai ma canne! Tu as ta canne et moi j'ai mon fidèle gant de boxe. Je l'ai fait fuir tout à l'heure grâce à elle. Elle m'est très fidèle. Tu l'aimes cette canne? On y va. Allons-y. Le gant, il faut le trouver. Mais où est-il? Je ne sais pas. Venez. Viens là, sale gant. Montre-toi. Viens, allez. Si tu l'oses. Tu t'es fait attaquer. Par une plante. Je suis persuadé qu'il est par là. Le gant, il est sur le toit. Viens là, mon gant. Mais où est-il? Ose te montrer! Il n'est pas là. Il a disparu. Nous sommes seuls! Seuls au monde. Cela suffit. Allons nous planquer à l'intérieur. Vite, planquons-nous dans cette salle de bain. Nous serons plus en sécurité, je pense. Êtes-vous sûr qu'il n'y a aucune autre issue? À mourir, je préfère encore me donner la mort moi-même. Tel Yukio Mishima, mon idole. Non, arrête! Nous avons encore les moyens de nous en sortir. Tu penses quoi? Promets. C'est une promesse. Merci, mon ami. Quoi qu'il en soit, Daniel, nous ne mourrons pas un culte. En effet, c'est la seule salle de bain avec une bibliothèque. Eureka! Mais oui! Serait-ce dans cette bibliothèque que se trouve la solution à notre mystère? Cette hypothèse, mon cher Daniel, me paraît tout à fait vraisemblable. Cherchons celui-là. Exactement. C'est exactement. Mon Dieu, mais il y a tellement de choses là-dedans. Là. Oh mon Dieu. Effectivement. La seule solution. L'unique solution, c'est les œufs. Nous n'avons plus d'œufs. Mais nous n'en avons plus. Comment allons-nous faire? Mon Dieu. Je ne sais pas. Tellement peur, Daniel et John. Ah, moi aussi. Oh mon Dieu. Il y en a donc un autre. Ils sont plusieurs. Oh mon Dieu. Je suis immunisé. Coma hydraulique. Digitalosodomie. Le gant. Serait-ce le retour du gant vivant? Non.